Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église. Il constitue fondamentalement l'engagement à entrer dans l'alliance salvatrice du Christ et devait être considéré comme une bienvenue à la fois solennelle et joyeuse de la famille de Dieu. Et vous avez vu là la bienvenue de Georges, pas vrai? Ah oui. Quand les Georges se rendent compte, ça fait des étincelles. Alors quand ils sont seuls, ils font du. Mais non, mais c'est Georges. Elle dit ça parce que son mari s'appelle Georges. Vous voyez encore? Oui. Voilà. Frères et sœurs, c'est une joie de recevoir ces jeunes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas eu de remarques durant la semaine. Les cas ont été étudiés. Et aujourd'hui, jour solennel, où il y a de la joie dans le ciel, comme il y a de la joie à Horeb. Il y a de la joie dans les cœurs des parents, des amis, des frères et sœurs. Mais il y a de la joie dans les cœurs de ceux qui ont dit oui. Alléluia. Amen. Je vais demander aux candidats de se mettre debout. Nous allons passer aux vœux. Nous allons les réduire, ces 13 questions, à 3 questions. Nico. Vous pouvez me faire un beau sourire, hein? Voilà. Vous allez vous tourner face à l'Assemblée. J'ai derrière mon sourire, maintenant c'est aux autres d'avoir leur sourire. Les photos, c'est pour après, j'ai dit leur sourire d'abord. Je vais lire et vous allez y répondre, d'accord? Première question. Acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel et dites désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Ils n'ont pas de micro, j'ai entendu oui, mais est-ce que vous avez entendu? Alors, vous avez levé la main, d'accord? Parce qu'ils n'entendent pas votre oui. Ils ne peuvent pas vous donner à chaque micro. Vous avez seulement levé la main. Acceptez-vous le Seigneur, acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements. Et vous dites quoi? Amen. Mais oui, vous les encouragez. Désiriez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du septième jour? Et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercez, par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service. Amen. Vous dites quoi? Amen. Ça va tout? Maman, tu pleures. Maman pleure, voilà. Tu vois, avec moi, on a le sourire, pas vrai? C'est super. On a dit amen? Amen. D'accord. Frères et sœurs, ils ont répondu, fidèlement à leur engagement envers notre Seigneur. Est-ce qu'ils sont prêts, pour le baptême? Amen. Mon pasteur, je peux passer de l'autre côté. Nous allons prier avec le premier ancien de l'Église et après nous allons avoir le chant. Je vous invite à vous lever. Nous prions.
Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, notre Père. Louange et honneur te soit rendu au siècle des siècles pour l'éternité. Merci pour ton amour infini. Merci pour tes enfants qui ont décidé de donner leur cœur à Jésus-Christ, leur seul sauveur. Il y a joie dans le ciel. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir fêter avec eux ce moment inoubliable et le plus important de leur vie. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu. Merci pour cette première partie et continue dans la deuxième partie du baptême, mon Père Céleste, et que tes saints anges puissent veiller sur nous et sur toute l'Assemblée, et que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Et je tiens à dire, mesdames et messieurs, si vous voulez voir le premier ancien de l'Église, il est à ma... Non, non, mais je vais vous le dire, rassurez-vous. Hein. Il est à ma droite, Sichem, le premier ancien de l'Église. Vous pouvez aussi vous rapprocher du pasteur. Il est à, je vais vous le dire, à ma gauche. Voilà. Si vous voulez, frères et sœurs, chers amis, faire alliance avec Christ, comme Colbert, donnez-leur du travail. Vous voyez Colbert, le premier ministre de Louis XIV, c'est ça? Il aimait se frotter les mains parce qu'il avait beaucoup de travail. Je frotte les mains parce que j'espère, frères et sœurs, vous allez repartir et dire aux autres, Christ les aime et qu'il doit se donner à Christ. Et donner du travail aux premiers anciens et donner du travail aux pasteurs. Amen. Amen. Alors, les parents qui désirent prendre des photos, vous êtes priés de vous mettre à côté sur l'estrade, sans gêner, bien sûr, le service. Et les enfants également peuvent se rapprocher tout en faisant bien attention avec quand même quelqu'un qui surveille ses enfants. Merci et à tout à l'heure. Un temps, un moment aussi agréable. Les plus jeunes qui veulent se rapprocher, approchez-vous, il y a encore de la place peut-être à côté. N'hésitez pas, il y a encore un peu de place à côté. S'il y en a encore d'autres qui aimeraient se rapprocher, approchez-vous. On a la caméra, on pourra mettre pour ceux qui sont derrière. Thank you.
Emmanuel, voilà une enfant de l'Église qui a grandi avec ses parents, qui a reçu un enseignement. On veut aussi remercier les moniteurs et les monitrices qui, jusqu'à là, lui ont transmis l'amour de Jésus. Amen. Elle est discrète, mais aussi remplie de vie. Amen. N'est-ce pas, ma très chère Emmanuel? Oh, je crois qu'elle a compris l'essentiel. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme elle-même. On va fredonner le chant. Ma très chère Emmanuel, selon ta profession de foi qui a été très claire pour ton jeune âge, et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Chère Marissa, je crois que l'église est une joie immense et vous avez vu qu'elle a une grande sensibilité, n'est-ce pas? Elle a beaucoup d'énergie aussi, n'est-ce pas? Très discrète, mais pleine d'énergie aussi, qu'elle saura mettre à profit pour le Seigneur, n'est-ce pas? Très chère Marissa, il y a de la joie dans le ciel parce que tu as voulu et désiré donner ton cœur à Jésus entièrement et vivre pour lui. Alors selon ta profession de foi qui a été très claire et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Oh mon cher Néhémie, je crois que dans l'église, nous avons une grande affection pour tous nos jeunes, n'est-ce pas? C'est notre batteur préféré. Ne soyez pas jaloux les autres. Le Seigneur lui a déjà donné des dons pour son église. Néhémie était déterminé. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il dit, je veux donner mon cœur entièrement à Jésus. Et aucun jeune ne peut faire ça, si ce n'est lorsqu'on est poussé par le Saint-Esprit. Et il n'a pas voulu résister. Ses parents ont finalement dit, Néhémie, tu peux te faire baptiser. Et je bénis le nom de l'Éternel. Mon cher Néhémie, il y a de la joie dans le ciel. Car aujourd'hui, tu as concrétisé ton choix, celui de marcher avec Jésus jusqu'à son retour et de pouvoir jouir avec lui dans l'éternité d'une vie de paix, d'une vie de joie, d'une vie de tranquillité, de bonheur éternel. Pour la gloire de son nom. Alors mon cher Néhémie, selon ta profession de foi, qui a été très claire, et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Arnaud,
C'est un jeune homme discret. J'ai dit vrai ou pas? Il est discret, mais cependant, il sait faire les bons choix. Alors que le prédicateur faisait l'appel et disait qui voulait donner son cœur à Jésus. Il était derrière la caméra et il était un peu hésitant. Je laisse la caméra ou pas? Mais il a dit, je reste derrière la caméra pour qu'on ait des images. Je vais voir le prédicateur après. Et je crois qu'il y a des rendez-vous comme ça qu'il ne faut pas rater. Lorsque l'Esprit nous appelle, on peut être derrière un banc, on peut être à la porte, mais on peut aussi être derrière une caméra. Et Jésus nous appelle, même derrière une caméra. Mon cher Arnaud, Jésus t'aime. Et l'église d'Horeb aussi t'aime. Ils n'ont pas entendu. L'église d'Horeb t'aime, mon cher. Amen. Cher Arnaud, il y a de la joie dans le ciel, mon cher. Selon ta profession de foi, mon cher, qui a aussi été claire, et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.
Et merci pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Voilà, merci beaucoup. Cherche ton texte. Alors, frères et sœurs, il y a joie dans le ciel, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et bien sûr, à Horeb, n'est-ce pas? Amen. Cela me rappelle quelques années en arrière. Je me suis fait baptiser à l'âge de 13 ans. Et je ne l'ai pas regretté. Je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, en tout cas, mes amis, nous sommes heureux de vous accueillir au sein de la famille de Dieu. N'est-ce pas? Vous êtes membre d'église, mais membre de la famille de Dieu. Vous avez décidé de sortir des ténèbres, bien sûr, pour aller dans la lumière de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser avec deux versets importants. D'accord? Comme je vais vous lire à l'instant. Ensuite, je vais demander à l'Église de s'engager également en votre faveur. Alors, le premier texte se trouve dans 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu, ce matin vous êtes né de Dieu, n'est-ce pas? D'accord? Connaît Dieu. Celui qui n'est pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et le deuxième texte qui est aussi important, quiconque croit que Jésus est Christ, et le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Donc il faut également donner de l'amour à nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous entourent, à votre prochain, car vous êtes nés de nouveau et vous êtes nés en Jésus-Christ. Alors, chers membres d'Église d'Horeb, je vous invite, je vous en supplie, je vous supplie même de prier pour nos amis bien-aimés, de vous engager à prier et à les aider. Vous voyez leur jeune âge, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit appelle même des enfants. Nous avons vu l'exemple de Samuel. Quelquefois, les gens peuvent dire, « Ah, le petit Mitra, il est trop jeune pour être baptisé. Hein? Il faut qu'il fasse une expérience encore dans la vie. » Le Saint-Esprit, lorsqu'il appelle, il appelle favorablement au moment voulu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui agit. Donc, nous devons les accompagner, les aider, les encourager. Alors, qui désire encourager et fortifier nos amis, les aimer? Je voudrais voir les miens, les mains de tous ceux. Vous avez vu, chers amis, l'Église est là avec vous. Donc chers amis, soyez effectivement des enfants de Dieu pour toujours et persévérez dans la parole de Dieu. Priez tous les jours. Je sais que l'ennemi sera là, mais vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, Jésus-Christ. Donc tenez bon et que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Merci, premier ancien. Je vais demander aux anciens de s'approcher. On a, j'ai envie de dire, pour coutume à l'église de Horeb de remettre le jour même un petit cadeau, mais ce n'est que partie remise. Amen. Mais cependant, nous aurons quand même une poignée de main chaleureuse en guise de bienvenue avec les anciens. Donc, je vais vous demander de vous mettre juste là. Et vous passerez faire une petite main chaleureuse aux anciens. Donc, on va commencer par Néhémie, Mitraille. On va commencer là-bas. Tous nos anciens sont là. Hein? Il n'a pas pu être là. Thank you.
passer maintenant à Emmanuel. Marissa, entre tes chairs, tu domines vers ton père, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Thank you.
bataille. Hein. Merci. Nous allons passer à la fin de notre moment. Très bon moment dans le Seigneur. Un jour de joie. Amen. Alors que nous terminons notre petit moment, nous voulons aussi entendre leur belle voix. Ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Ils veulent aussi entendre votre belle voix. Amen. On va commencer par Emmanuel. Aurais-tu un petit mot de remerciement, comme de coutume nous faisons? Yes. Alors, elle va nous offrir un petit chant aussi, en guise de remerciement. Mais est-ce que tu aimerais dire quand même un petit mot? Au moins à maman qui a pris le temps de papa pour t'instruire. Et puis bien sûr Dieu, c'est évident, n'est-ce pas? Amen. Mais bon, aussi aux monitrices, peut-être que bon, ça leur ferait plaisir aussi. La chef tienne, ouais, je ne sais pas, hein, on la laisse parler. Hein. Je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé à monter et à monter les marches qui ont été difficiles. Amen. Prends mon cœur, prends mon cœur.
cher Emmanuel, je t'appartiens au Seigneur. Prends tout. Et avec Jésus, on donne tout. Néhémie, mon cher Néhémie, as-tu un petit mot à dire à maman, papa, un remerciement à Dieu, hein? Et puis je sais que tu as un chant pour nous avec papa. Hein? Est-ce que tu as un petit mot à dire alors, de remerciement? Je remercie mes parents, mes amis proches et les familles proches et les moniteurs. Pas entendu, attends. Les monitrices. Amen. Et aussi, je remercie ma famille parce qu'ils m'apprennent des choses. Amen. Et je les aime de tout mon cœur. Amen. C'est très touchant, mon grand. Parce que maman est très émue, papa aussi, et frères et sœurs, tout le monde est bien ému. Et ça me touche énormément. Je sais que tu as un chant aussi avec papa. Je te laisse. Aucun mot ne peut dire.
pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul abri, je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton caverne sous la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul abri, je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton caverne sous la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul abri, je te loue pour ce que tu es. Gloire à Dieu. Dieu représente tellement pour nous, j'ai envie de dire, il représente tout pour nous. Amen. Ma chère Marissa, un petit mot de remerciement à Dieu, peut-être, très certainement, parce qu'il est présent parmi nous et certainement il a le cœur joyeux. Merci à tout le monde d'être là pour moi, de me soutenir. Voilà. Amen. Je veux dire merci à maman, papa, je sais pas. Hein? Mais ils savent déjà. Donc. Vous savez déjà. Hein? Voilà. On va vous laisser entre. Merci Marissa. Arnaud. J'aimerais dire un petit mot de remerciement aux parents, aux moniteurs, aux monitrices, et puis à Dieu, toi-même. Alors, je tiens à remercier ma famille qui m'ont toujours aidé dans les moments les plus difficiles. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fera. Oh, merci Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu, une famille qu'il viendra chercher très bientôt, car Dieu viendra chercher sa grande famille, l'Église, ceux et celles qui auront donné leur cœur à Jésus, le seul moyen par lequel et le seul être qui nous a été donné et le seul nom par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Alors que les chants se placent pour ce dernier chant, pendant qu'ils se placent, je demanderai aux qui sont bien là, c'est bien, j'y a toujours, éclaireurs aussi d'ailleurs, elles vont se lever, elles vont mettre un petit pin, me semble-t-il. Alors au nom du club des éclaireurs Horeb,
au nom de toutes les cheftaines, de tous les chefs qui instruisent les enfants, nous voulons vous remettre le pinceau de baptême. Et je vous laisse avec la devise. Ensemble, on la récite. L'amour de Christ nous presse. Que l'amour du Christ vous presse toujours jusqu'à son retour. Le ministère auprès des enfants voudrait vous laisser avec une petite pensée qui se trouve dans Proverbe 7, les versets 1 à 3. Néhémie, Emmanuel, Marissa, Arnaud, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Le ministère auprès des enfants a une joie immense en ce sabbat matin de compter 3 enfants qui ont donné leur cœur à Jésus. Non, 4, puisque Arnaud a déjà laissé le ministère auprès des enfants. Mais toujours est-il, le club des éclaireurs a 4 enfants et nous sommes très contents. Il y a joie dans le ciel. Alors, simplement pour souligner que nous avons un autre éclaireur aussi qui a été baptisé au mois de mai, mais à l'église de Siloé. Et elle recevra son pins de baptême à l'investiture. Alors que nous terminons et que nous fredonnons ce chant, y a-t-il quelqu'un dans la salle ce matin qui a ressenti l'Esprit de Dieu, qui a entendu l'Esprit de Dieu parler à son cœur et qui se dit « Oui, j'aimerais faire comme ces 4 jeunes gens, donner mon cœur à Jésus. » Qu'elle s'approche et je prierai pour elle. Y a-t-il une personne qui aimerait dire au Seigneur ce matin, j'aimerais Seigneur te donner toute ma vie. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on prie pour moi. A-t-elle assez de courage pour venir ici? Je prierai pour elle. Le Seigneur est attentif et il saura vous bénir. Et tous ceux qui se sont approchés lorsque j'ai fait un appel, Dieu les a bénis. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait dire au Seigneur, moi aussi? Vous demandez à celui qui est à côté de vous, laissez-moi passer s'il vous plaît. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Rapproche-toi alors mon cher. Dieu te bénisse ma très chère. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait s'approcher? Tu peux venir, tu peux rester à côté de moi, ma très chère. Tu peux rester à côté de moi. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait dire au Seigneur ça? Amen.
Oh, le Seigneur appelle. Que te bénisse, ma très chère. Amen. L'Esprit de Dieu parle aux enfants, mes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse, ma grande. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu appelle, mes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse, mon grand. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait dire au Seigneur? Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Le Seigneur viendra chercher ses enfants. Ceux et celles qui auront mis leur confiance en lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, ma très chère, approche-toi. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen, amen, amen. Oh, que Dieu te bénisse, ma très chère. Qui veut faire encore le pas de la foi? Y a-t-il encore quelqu'un ce matin à qui Dieu parle? Et qui aimerait dire au Seigneur, me voici. J'aimerais qu'on prie pour moi. Car je sais que tu reviens bientôt. Y a-t-il encore une personne? Encore une personne. Amen. Dieu ma grande. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas du tout. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait dire ça au Seigneur? Même s'il y a quelqu'un à côté de vous, dites-lui, s'il vous plaît, puis-je passer? Puis-je passer? Dieu m'appelle. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait s'approcher? Jésus revient bientôt. Il revient chercher ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui. Amen. Oh, Dieu appelle. Oh, oh, je suis toujours impressionné de voir comment le Seigneur parle au cœur des enfants. Ce matin, Dieu parle à votre cœur. Si vous le sentez, approchez-vous. N'ayez pas peur, je prierai pour vous. Encore une personne. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors que nous terminons. Une personne pour Jésus. Rapproche-toi alors. Y a-t-il encore quelqu'un? Qu'elle s'approche. Si quelqu'un veut qu'il s'approche, et je prierai simplement. Encore 30 secondes, alors que nous fredonnons ce chant, je prierai simplement pour vous. On a Sichem nous approcher, ainsi que Georges. Y a-t-il encore quelqu'un pour le Seigneur ce matin? Georges, est-ce? Le Seigneur viendra bientôt chercher ses enfants. Si Dieu parle à votre cœur ce matin, venez, je prierai pour vous simplement. Si quelqu'un veut dire au Seigneur ce matin, entre tes mains, j'abandonne tout. Approchez-vous, je prierai pour vous. Alors que nous terminons, si pendant la prière vous vous sentez de vous approcher, approchez-vous et nous prierons aussi pour vous. La prière sera aussi pour vous. Amen. Merci pour la technologie. Il y a quelqu'un encore par internet qui ce matin, pendant l'appel, elle a dit quoi? Qu'elle veut donner son cœur à Dieu et qu'elle voulait partager cela avec nous. Amen. Elle s'appelle? Abigail. Abigail. Pensons à Abigail. Oh, merci pour ce message. Amen. Oh, la technologie sert à ça. Oui, Abigail, tu entends. Il voit ton cœur et nous prierons aussi pour toi. Nous prierons pour toi aussi, Abigail. Dieu touche à travers même
l'espace et le temps. Même derrière les caméras, il touche les cœurs. Je demanderai à Georges de s'approcher et il priera pour chacun d'entre vous. D'accord? Pendant la prière, si vous vous sentez comme Abigail, votre cœur est touché, approchez-vous. Et vous aurez aussi le bénéfice de cette prière. Reste debout. Reste debout. Autant, mon Père Céleste, quel Dieu d'amour tu es. Quel merveilleux Seigneur et Sauveur, rempli d'amour tu es. Seigneur, tu sais ouvrir tes bras pour ramener tes enfants. Tu sais par ton Esprit Saint toucher les cœurs. Et même les enfants viennent, Seigneur, nous donnent l'exemple et nous sommes contents de voir cela. Père, oh, ce n'est pas toujours facile, mais quand ton Esprit touche les cœurs, quand tu parles, Seigneur, on ne peut que courir dans tes bras et dire, Jésus, je veux t'appartenir, je veux t'aimer, je veux te laisser diriger ma vie parce que c'est toi seul qui peux le faire pour moi. Père éternel, ces enfants sont venus. Ils n'ont pas regardé à leurs parents. Ils n'ont pas demandé la permission, mais ils sont venus dans les bras de Jésus. Ô daigne, ô éternel, répandre tes bénédictions sur ces enfants. Répandre, Seigneur, ton amour dans leur cœur. Et dès leur jeune âge, commencer à insuffler cette transformation qui les conduira jusqu'au port éternel. Ô bénis-les, Seigneur, tu vois leur bonne volonté. Tu vois leur amour. Même petits, ils aiment Jésus. Oh, bénis-les, notre Dieu, et toutes celles et ceux qui sont là. Peut-être la timidité, peut-être, Seigneur, mais tu sais toutes choses. Ils répondent aussi dans leur cœur. Oh Dieu, travaille dans le cœur, travaille, Seigneur, et permets à chacun de faire avec toi une expérience extraordinaire. Oh Dieu, merci encore une fois sur le mot que tu nous accordes. Merci de ton Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies. Merci de ton amour, de ta patience, de ta miséricorde. Nous te bénissons, nous éclatons ton Saint-Nom et nous te remercions et nous te prions de continuer à nous bénir. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons la bénédiction de notre premier ancien. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, pour ce sabbat que tu nous permets de vivre, un sabbat inoubliable, mémorable, qui nous rappelle combien tu aimes tous tes enfants. Merci, Seigneur, de nous renvoyer avec ta paix et ta grâce, et en gardant à l'esprit ce moment inoubliable, afin que nous puissions également vivre l'éternité avec toi. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour tes bénédictions, merci pour les chants, merci pour ces âmes qui t'ont donné leur vie, mon Père Céleste, et merci pour ces enfants et pour notre ami qui est venu jusqu'ici. Merci pour ton amour, mon Père Céleste. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce et nous à garder dans le cœur le souvenir de ta pensée éternelle et infinie et nous à nous préparer pour ton retour. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce et bénis nos amis, nos frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivent par le bien du net également, et accorde-nous tous ta paix et ta grâce et ta bénédiction spéciale. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors que vous regagnez votre place, nous allons chanter le dernier chant. Oui. Et à la fin, nous aurons nos amis, nos nouveaux membres d'église se mettront à la porte. Et vous pourrez les saluer en sortant. Chantons notre dernier chant. Que l'Éternel te bénisse. En guise de prière. Je vous invite à tenir debout. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et te protège. Que l'Éternel.
nos amis en sortant. Seigneur, Hosanna, 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 Amen. Oh, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Jour de joie. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je dois